Et c'est parti, salut à vous YouTube, cette fois-ci c'est la bonne, hein. Cette fois-ci, j'ai oublié de changer de skin, mais cette fois-ci c'est la game où je joue bien sur Jinx. La game où ça donne un bilan positif. Pour l'instant je fais 3 games dessus, de win and lose, mais j'ai pas été satisfait à chaque fois. Et là j'espère que je le saurai. Bon, ok voilà, c'est une invade avec Blitz, je vais aller voir le bleu. Je sais pas pourquoi je ward ce bleu, ça sert à rien en vrai. Je ward quand même. Oh, ça sert à rien parce que s'il pull, je sais qu'il pull, et s'il pull pas, je sais qu'il pull pas. Donc dans tous les cas, je saurai où jungle à start. Mais bon, sait-on jamais. Non, attendant, voilà, on joue Jinx Morgana, on est contre Blitzcrag. Un match-up qui en théorie est à notre avantage, tout dépend en fait du skill de la Morgana. C'est-à-dire que normalement, si on a le Black Shield, les hooks, bah Blitzcrag ça sert à rien, et donc du coup, bah nous sommes meilleurs en fait, tout simplement. S'il y a une cache qui passe sur Kog, je peux follow up avec les Chompers. S'il a pas son W, je le range avec mon Q. Donc on est bien sur les trades. Et sinon on est full AD, ce qui fait un petit peu chier, mais ils ont que Yorick en réel tank. Donc ça va. C'est interdit ça. C'est pas il est passé à côté hein, c'est. Il visait son frère genre. J'ai les champions avec la haute de manière à pas prendre l'aggro. Surtout éviter de se faire hook. Pas que j'oublie que je veux une game propre. Hein. Ok, il y a Nida ici. Il a du mal sur son raid, mais il va le smite, je pense. Ouais, Chompers niveau 2. Pas trop y aller là. Je sais pas ce qu'elle a pris. Je pense qu'elle a pris son Black Shin, mais. Je voulais pas trop prendre le risque. Hey, merci à toi, Billy, pour ton sub. Bienvenue, mon ami, bienvenue. Ah, le creep a été raté. Ça va faire gaffe à Nida à la botte. Ok, faut que je fasse attention parce que Jhina il la plante. Pour l'instant ça va. Ah. Je touche ça en fait. Je le tue pas. Je le flash auto, il meurt, mais il reste le heal. Du coup, je ne le tue pas avec le heal. J'arrive, mais. Ok, je vais pas venir. Ils ont pas besoin de moi. Ok, je reviens avec Orki. Ok, je repars. Blitz. On va pote. Attends, ça prend que sur le red buff le Little Sen. C'est broken. Fais attention, Nida. Il faut continuer, il reste toujours l'huile sur Kog. On peut pas non plus overcommit. Donc il y a potentiellement une Daïe dans le coin. King est top.
Elle a un flash Morgana, elle peut le flash cage. Hein. On recall, on a la BF, on va avoir une petite potion aussi, ils vont push la wave, il a deux stacks de Targon, il y a une wave catapulte, ils vont pouvoir la push plus ou moins vite je pense. On va revenir direct là, on va quoi. S'il garde un stack pour la catapulte, ouais c'est ce qu'il fait. Du coup il va push assez vite quand même. Je perds quoi, j'ai perdu en tout 3 CS je pense. Peut-être 4. J'ai perdu un cac, je vais en perdre un deuxième. Ah ouais, c'est lui qui passe en premier, j'en perds. J'en perds. Ah, quoi que. Non, ça, la catapulte va pas passer autour, je vais en perdre que 3. Soc. Un bon recall. Hop. Pas d'info blitz, on prévient. On push la rue d'après, midi est mort sur le gank. Pour l'instant ça va. 13 creeps d'avance. Pas de mort. On fout tout autour très très vite. Hein. Ok, y'a pas de plantes. Hop. Y'a quoi, il a rush les bots. Je suis plutôt bien pour l'instant. Celui-là. Prendre la pink. Pendant que Nida est top, profitons-en. On a la position sur la lane. Hop, voilà, bientôt 6. Là là là. Bon, celle-là elle était close. Avouons-le. Thanks. It was kinda plan, to be honest. Hop. Petit double kill, plus de sum, plus de heal. Je sais pas ce que Gaff flash. Pas sûr. Let's say he has it then. No sum bot. Cock flash up. La catapulte. Nice. Faut gaffe par contre qu'on a plus de sum. La punition peut être violente. Lâche-le là, non? On aurait dû le flash. Il a fait trop le fou, elle le flash hier, il est mort. Hein. Même si flash out, elle était trop proche pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Elle est morte, faut savoir. Je pense qu'elle avait pas besoin de flash in cette fois par contre. Good job. On va pas car j'ai pas d'info ni d'aide, je n'ai pas de summoner et qu'elle est en 2-0-3 donc elle peut vraiment m'éclater. Bon, je la vois mine maintenant, c'est un peu tard, c'est pas très grave, je vais reprendre mes bots tranquille.
Il y a le paquet sur Corki. Elle a pris un kill, j'ai pris une assist, ok. Ça lui rapproche de la dent, donc franchement c'est cool. On a quoi? On a 36 CS d'avance sur Kog. On est plutôt bien là, pour l'instant. C'est la seule game où je me fais pas camp pour jouer en Jinx. C'est la seule game où je suis en 3-0, donc pour l'instant, on tient notre parole, la game est propre. Essayons de continuer ça. Attention, parce qu'on n'a pas d'info blitz. Je vais aller voir d'ici en speed, très rapidement, parce que sans summoner, faut que je fasse très attention. Quelqu'un ici, probablement Blitz, peut potentiellement être Nida aussi. Il faut faire confiance pour les Black Shield. Hein. Ok, Nida lui aussi. Ah, fuck. Allez, kick! Oh là 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 là, dommage. Quoi, flash? Il a pris la tour. Putain, 4 bots. On va prendre la thermide, mais ils vont avoir le force bot tourelle. On pourrait pas faire grand chose là-dessus. Hein. Je suis tenté avec mon dernier ulti. Ça va décaler là. Ils sont au Drake. J'ai plus mon ult. Allez! Oh là là, le monstre! Oui, reset! Vite, t'as encore qui arrive! T'as encore qui est où? C'est pour l'aide, ouais. Très appréciable. Ok, y'a plus de flash cog. Je vais pusher une de plus, tu peux deny ça là. Y'a pas encore l'ardente, c'est risqué hein, stay. Je pense qu'on devrait pas faire ça. Oh, ah, yeah. Ça fait mal. M'a éclaté. On en est, on y va, hein. De toute façon, on nous aurait tous tués, je pense, l'autre. Hein. Donc, au point où on en est, let's go. Hop. On va chercher le double. J'ai manqué de critique quand même hein, sur ce move. J'ai cru que ça allait vraiment pas passer. Hein. Je pense pas qu'on pouvait se faire à partir du moment où il TP. Ça fait du 2 pour 3, donc c'est pas ouf. Faut qu'ils ont des doubles kill cock. Je pense que ça aurait été mieux que Morgana meurt de Yorick. Mais on peut pas tout avoir. J'arrive, défendons cette tourelle. J'ai peur qu'il y ait Corki et Nida. Ok, j'ai l'ardente, non? Ouais. Pardon. Oh, je suis vraiment à 57 là. C'est de récupérer cette T1. Nida est top. Ils sont 3 vers le top side. Corki mid, elle tombe, elle tombe. Hop là. On se deny un peu.
back en speed. On va prendre un peu d'AD hein. Bon, bilan sur la game. On a 3 tours de retard, Nidalee, Corki sont très bien. Kog'Maw est pas mauvais non plus, il a 4 kills. Ça a Ardent, enfin ça a Herald ici. Je suis mis devant pour potentiellement tenter le hook. Tanker le hook, pardon, j'avais le black shield. On va perdre la tour normalement. Ok. Ok, on n'est pas trop mal. Yorick qui prend la tête de bot. On arrive. On arrive à atteindre le moment où on va outscale. Ah merde, il les a 1v2. C'est ballot ça. Bon, on back sur l'IE, toute la thermie des lots, c'est déjà pas mal, on a pris qu'une tour, on a 5 tours de retard. C'est compliqué. On va voir si on peut réussir à porter avec Morgana. On est les seuls bien de notre team là, avec la petite morgue. Bon, j'ai mes 2 items, je vais commencer à taper doucement. Il manque vraiment 3 objets pour faire mal. Il manque un item quoi, il faut 3 items. Hop là. Pas moi les 30 gueules. Mais 70 creeps à Corki. Ça devrait compenser plus ou moins les 5 tourelles d'avance. En termes de gueules, c'est beaucoup 5 tours. Hein. Il y a un infernal. Je pense que là on va devoir le laisser. Hein. Le signe qui peut tenter un steal. Allez, bro. Il crit plus que moi avec 20%. Tu le. Pas de chance, j'ai pas eu de chance. Je sais pas si c'était une bonne solution de focus sur le Drake. Je voulais vraiment le récupérer. Je pense que c'est ok, ça fait du 5 pour 3 globalement. Je pense que c'est honnêtement c'est ok, je pense que j'ai pris les bonnes décisions. J'ai juste vraiment pas eu de chance sur les crits, no joke hein. Contre Corki, genre il m'a mis 2 critiques je crois. On a eu le Drake, c'est déjà ça. On va plus avoir la tête de top aussi, enfin la tête de top pardon. Donc ça globalement ça fait quoi? Ils ont pris 3 kills de plus. On a fait du 5 pour 2 je crois. On a tué que Corki Kog. Si je dis pas de bêtises. Du coup ça fait 3 kills contre une tour et un Drake. Je trouve ça worse. Oh putain, on a perdu l'Ardente et il va défoncer la base l'autre là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Nash?
Je crois que la réponse c'est rien, parce que Hugo est mort. Je peux tenter un style adulte, mais... Ok, attends. 3, 2, 1, c'est parti. Je regarde même pas parce que je sais que j'allais. Ok, pas du tout. Je vais même pas toucher le mec en plus. Ok, on va récupérer le raid. On est close du troisième item. Try to play around me. On y croit, on y croit. J'ai le rapid fire là. Peut-être faire un truc prochain fight. J'ai pas de sub en fait, surtout ça le truc qui m'embête un peu. Même beaucoup. Hein. J'espère que s'il prend un inhib sur l'inhib mid et pas un inhib sur les sides. Je me sens cesse à Kog'Maw. Très attention, il y a le hook de Blitz, les spears de Nida. Et après le DPS des gens quoi. Oh c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut aller défendre les lanes là. Je vais laisser back et je vais aller hold bot. Ok. Ok, Camille a décidé de cancel et d'aller mourir mid. Hop, on est pas loin, on est pas loin. Honnêtement, on est pas loin de la fin du Nash. Hein. Plus qu'une minute à tenir. Je vais laisser ma pink. Let me shop, let me shop. Allez, allez, j'ai ma BF, ça va faire beaucoup, beaucoup de dégâts là. On vend la pink. Je prends comme guard, je vais aller top. Ça fait peur. Ça, on est débordé. Arrêtez avec votre TPF là. Un crit, il me fallait un crit. Oh là là, il sert à rien, il me manquait un crit. Allez Morgana, Morgana. Allez, allez. Ah oh, il tente même pas la tour. Faut sur rien. Putain, dommage. Dommage, dommage. Si j'avais mis le critique, j'ai mis deux autos sans crit, je crois. Si une des deux avait crit, Kog'Maw serait mort, on aurait peut-être plus def. Après, on avait perdu deux inhibs dans tous les cas.
que là c'était cool. Après, dans tous les cas, on avait perdu deux énigmes, ça aurait été compliqué, mais c'était notre seule chance. En termes de ressources, j'ai 4500 gold de plus que le deuxième dans ma team. Je peux faire des dégâts non plus une scène. C'est dommage, il manquait pas grand chose. Il manquait pas grand chose. On aura quand même un petit 116 de plus que Cog. Je pense que ça va. La game était quand même propre, honnêtement. Hein. Je pense que la game était quand même propre. On a lose, mais ça va. Hein. J'aurais peut-être pu la carry. Elle était dure quand même à carry. J'aurais peut-être pu la porter, je sais pas. Mais voilà, petit pouce bleu, petit abonnement. Et on mettra des games où on gagne aussi. Ouais.